Comment créer un chatbot? Un tuto pour votre robot Facebook Messenger. Alors, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Et 5 stratégies. Et si vous cherchez à créer votre business en ligne de 0 et 100 euros, bienvenue sur cette chaîne. Et puis, il faut cliquer là aussi. Là, c'est pour ne rien louper. 1,2 milliard d'utilisateurs par mois de Messenger, c'est énorme. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une application qui se prétend être vous, en fait, hein, sur votre plateforme de messagerie, Facebook Messenger par exemple. Alors ça peut le faire de deux manières, soit de manière active, soit de manière passive. De manière passive, ça peut être comme une simple standardiste de la vie réelle, ou de manière active, ça devient carrément un agent commercial, hein, prétendu être vous. Mais pas vous. Enfin vous. On fait quoi avec ça? Eh ben on peut faire plein de choses, hein. On peut ouvrir une application, passer un appel vidéo, un appel téléphonique, on peut même commander un sandwich au thon. Hein. Bon, il y a mieux à faire, hein, pour le business. Évidemment, il y a 10 000 possibilités avec un tel outil. Nous, on verra tout à l'heure juste 5 stratégies. Mais il ne faut pas que vous perdiez de vue le côté humain quand vous rédigez vos messages. Et oui, c'est quand même l'un des piliers d'Internet. Hein. People buy to people. Les gens achètent à des gens. Alors effectivement, avoir un tel robot automatisé, c'est pour vous un véritable atout dans votre manche. Je vous ai dit qu'il était gratuit. Comment ça marche? D'abord, il va falloir avoir une stratégie. Hein, parce qu'avoir un outil pour avoir un outil, ça ne sert à rien et on nous en propose des tonnes sur Internet. Donc celui-ci, il va falloir d'abord, et c'est la première astuce, que vous pensiez aux bénéfices. Alors, non pas aux bénéfices que vous allez pouvoir en tirer, mais plutôt aux bénéfices que vos prospects, vos clients, vos abonnés, vous appelez ça comme vous voulez, vont pouvoir en tirer. La deuxième astuce, c'est d'essayer de considérer à quelle étape en est votre client potentiel. Et en gros, pour vous faire très simple, il y a 3 possibilités. 1. Il est au stade de la découverte. Il a un problème à régler, il a un besoin à satisfaire. 2. Il est à l'étape de la considération, c'est-à-dire qu'il cherche un moyen quand même de résoudre son problème, hein, soit par, je sais pas, Google, des vidéos YouTube. Et 3. Peut-être qu'il est au stade de la décision, votre abonné, tout simplement. C'est-à-dire qu'il regarde un petit peu les différentes offres, qu'il compare et qu'il va décider. Alors je vous pose la question, est-ce que vous savez où en est votre abonné, votre prospect sur votre propre page? Si ce n'est pas le cas, tester. C'est-à-dire que vous mettez juste un petit bout d'automatisation en place et ensuite vous reprenez la main. Ça va vous permettre de discuter un petit peu avec la personne et sur ses bases, sur ses acquis, de construire la suite logique de votre automatisation jusqu'à ce qu'elle fasse votre boulot, quoi. En gros, il y a 5 outils de stratégie sur ManyChat que vous pouvez rejoindre par manychat.com. D'ailleurs, sachez que j'ai mis en place une formation offerte sur 3 outils gratuits pour promouvoir votre page Facebook gratuitement. Je vous mets ça en description. Première stratégie, c'est l'autoposting. Ma page tuto. Et ça se trouve là, donc autoposting. Alors ça sert à quoi? Eh bien, à chaque fois que vous allez avoir un nouveau subscriber qui va vous rejoindre sur votre ManyChat, donc votre page Facebook, il va recevoir automatiquement ce que vous aurez pré-réglé par avance. Et qu'est-ce qu'on peut lui envoyer automatiquement? Eh bien, il y a 4 possibilité, soit vous envoyez, par exemple, quand vous publiez une vidéo YouTube, il la reçoit automatiquement dans son Messenger. Et il y a beaucoup plus de taux d'ouverture, ce qu'on appelle l'open rate, dans Messenger que dans les mails. Il va aussi cliquer dessus. Là encore, il y a beaucoup plus de click-to-rate, ce qu'on appelle, c'est-à-dire de cliquage sur ce que vous envoyez. Donc, ça peut être une vidéo YouTube. Quand vous publiez, par exemple, une Facebook, ça va directement dans son Messenger, un tweet ou du RSS. Et le RSS, les blogueurs savent ce que c'est. Par exemple, un article de blog. Voilà. Voilà une première stratégie à mettre en place en automatique, tout de suite, et c'est super facile. Deuxième stratégie, celle des broadcasts, l'équivalent des newsletters. Un mail envoyé à tous vos subscribers en une seule fois. Donc ça se passe ici, broadcast, vous faites new broadcast, et là vous allez voir toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Bien sûr, vous écrivez le texte, vous avez possibilité de mettre un bouton juste en dessous de votre texte, auquel vous allez donner le nom que vous voulez, et avoir des directions, celles que vous voulez, votre site, un numéro de téléphone, c'est possible aussi. Et puis, des simples messages écrits. Là-dessous, il y a un quick reply. Ça, c'est pour les questions fermées. Réponse oui, réponse non. Et c'est extrêmement puissant. On peut mettre des textes, des images, de l'audio, de la vidéo. On peut mettre plein de choses. Et puis, il y a ce petit truc-là, delay, qui est important, qui se place entre une réponse et une autre, qui permet en fait d'imiter, vous savez, les petits points qu'il y a en dessous quand quelqu'un est en train d'écrire, 3 petits points grisâtres. Et donc on peut le régler, là encore, pour imiter quelqu'un qui serait en train de répondre sur le temps qu'on veut.
Voilà, entre deux messages. Troisième stratégie, les séquences. C'est l'équivalent de l'autorépondeur sur un mail. Et ça se trouve ici, donc, dans séquences. Alors, on peut créer une nouvelle séquence ou se servir de la séquence d'exemple qui est là. Donc, vous voyez qu'il y a moyen de programmer les mails que vous aurez pré-écrits au moment où vous voulez, de les rendre actifs, bien sûr. Et puis, donc, si vous ouvrez l'un de ces mails qui n'est pas un mail, d'ailleurs, puisque c'est un message qui est envoyé dans Messenger, on peut l'éditer et on se retrouve face au même type de message qu'on a vu donc tout à l'heure. À la fin, vous n'oubliez pas de faire publish, parce que sinon... Eh ben ça part pas. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On attaque le gros morceau ou quoi? Ben on y va, alors c'est parti. Voici le Growth Tool, l'outil de croissance par excellence. Alors là, je vais cliquer sur l'un de ces outils au hasard, celui-ci, et vous allez voir que les blogueurs vont tout de suite s'y retrouver. Il y a la Hello Bar, il y a le Slide In, etc., etc. Vous connaissez tout ça, il y a moyen de faire un bouton, et vous pourrez en récupérer ici le JavaScript. Et puis, alors oui, il y a cette landing page. Ça, c'est une page volante. Si vous n'avez pas de site, si vous n'avez pas de blog, si vous n'avez rien du tout, et ben cette page volante peut devenir une page de vente, une landing page, donc, que vous allez pouvoir distribuer à qui vous voulez, comme vous voulez, pour la raison que vous voulez. Ça, effectivement, c'est juste magnifique. Le Growth Tool, donc, avec les différents outils. Tout ça, c'est en gratuit, hein. Quand il y a des outils payants, c'est 10 par mois, je crois. Et ben, ils se rajoutent en bas. Donc là, on est vraiment dans les outils gratuits. Ça doit être limité à 4 en tout, si je ne m'abuse. Donc, on sort de là. Et c'est donc ici que vous pourrez en stocker jusqu'à 4. Et vous verrez que ben, y a vraiment de quoi faire, déjà, hein. Bon, en fait, vous voyez que dans le Growth Tool, déjà à l'intérieur, il y a de multiples stratégies possibles avec tous les outils qui sont proposés. On va terminer par cette cinquième stratégie, ce sont les messages. On regarde ça. Alors effectivement, il y a différents réglages. Il y a celui-ci qui est là juste pour faire, pour enclencher la toute première connexion. Et à partir du moment où il aura cliqué sur ce message, il sera considéré comme subscriber de ManyChat, donc de votre page. Et par là même, puisque vous aurez certainement, après avoir suivi la formation que je vous propose là-dessous, réglé votre auto-posting et les différents outils. En tous les cas, l'auto-posting fera que systématiquement, il recevra, si vous avez réglé pour vos publis par exemple, vos publications, dès qu'elles paraîtront, il les recevra dans votre Messenger. Autre message qui se trouve ici, le Welcome Message, c'est celui qui recevra juste après donc avoir cliqué sur ce premier message. Pareil, vous faites un petit mot, n'oubliez pas de rajouter ça, hein, cette petite phrase magique pour qu'il puisse se désabonner à tout moment. Là-dessus, une fois qu'il aura reçu ses deux premiers messages, normalement, on n'y revient plus. Ceux-là, ils sont faits, on n'y revient plus. Mais il y a moyen de régler votre standardiste. Ici, le default replay, donc ça, c'est juste un petit message dès que vous vous absentez que va recevoir la personne. Là encore, vous pouvez mettre des boutons, etc., etc. Les petits quick qu'on a vus tout à l'heure, les petits quick messages, vous vous rappelez certainement ce... Voilà, les quick replay qui sont donc des messages. Et une fois que ça c'est en place, il y a encore un autre petit truc que vous pouvez mettre en place, c'est le main menu. C'est un petit menu qui va se retrouver ici en bas. Voilà. Et là encore, vous pouvez mettre des choses très particulières, très ciblées, très pointues, que vous réglerez pour ceux qui vont appuyer sur ce petit menu qui va être proposé. Ça devient un véritable petit blog en fait, hein. Et tout ça, ça vous permet quoi? De régler tous vos messages en automatique. Alors le conseil, bien sûr, c'est commencer très minimaliste. Faites vraiment très très peu, le strict minimum qu'on voit d'ailleurs dans cette formation que je vous propose, formation offerte sur 3 outils gratuits pour promouvoir votre page Facebook, là. Cliquez là. Si t'es mon ami, tu t'abonnes. On se retrouve très bientôt en vidéo.